La scène la plus importante de mon film, c'est sûrement la scène où le personnage principal, Shérif, découvre le graffiti pour la première fois dans la nuit et où il est entraîné comme ça par son cousin vers quelque chose qu'il ne sait pas ce que ça va être. Et il découvre qu'au milieu de la nuit, dans le noir, il y a une lumière sur un mur et son cousin et les amis de son cousin se mettent à peindre un graffiti avec comme ça des formes très simples et des ombres, leurs ombres qui sont projetées sur le mur. Et c'est important pour moi parce que c'est la scène à la fois de la découverte de ce que va découvrir Shérif, mais c'est aussi la scène qui est tout le cinéma primitif et le cinéma en même temps émotionnel qui va être celui du film. Voilà. Ça c'est difficile parce que moi j'ai découvert le cinéma au fur et à mesure. J'étais d'abord un spectateur jeune qui allait voir des choses pour draguer les filles, pour être avec des amis, manger des pop-corn et regarder du cinéma comme ça. Et après j'ai découvert le cinéma comme quelque chose de fondamental dans mon rapport au monde, à la vie et à l'art. Et du coup j'ai vu beaucoup de films, je suis devenu cinéphile. Et du coup j'ai beaucoup de films qui ont été des films importants et qui se sont relayés comme ça dans ma vie et qui ont changé. J'ai aimé des gens qui sont quand j'avais 16 ans, j'ai aimé d'autres gens quand j'avais 20 ans. Donc les scènes fondamentales sont des scènes qui se remplacent à des périodes régulières. Mais peut-être qu'une des scènes fondamentales pour moi, ce serait la scène de la tête du cheval dans Le Parrain. Voilà, la scène de la découverte de la tête du cheval. Parce que pareil, il y a toute l'histoire qui est rassemblée dans ce moment. Toute la violence, toute la beauté et en même temps, pareil, toute la cruauté primitive et des choses très archaïques dans cette scène. Donc c'est le cinéma qui filme une histoire, mais qui filme aussi une image qui se concentre dans le film et qui devient brutale mais poétique.